une personne prédiabétique a une glycémie à jeun plus élevée que la normale. Lorsqu'une personne mange un aliment riche en glucides comme du pain, des pommes de terre, du riz ou des biscuits, les glucides sont digérés et hydrolysés par des enzymes en sucre simple ou monosaccharides. Dans l'intestin, les monosaccharides sont absorbés et entrent dans le sang. La glycémie est contrôlée par l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. L'insuline permet au glucose présent dans le sang de pénétrer dans les cellules pour leur apporter de l'énergie ou être stocké. Un mauvais fonctionnement de l'insuline provoque une hyperglycémie chronique. Le diabète de type 2 est alors diagnostiqué. Le diabète de type 2 touche 90% des personnes diabétiques. 352 millions de personnes ont été diagnostiquées prédiabétiques de type 2 en 2017 dans le monde. En 5 à 10 ans, 80% des personnes prédiabétiques deviendront diabétiques de type 2 si elles n'agissent pas. Le diabète peut avoir des conséquences dangereuses sur la santé à long terme. Il peut toucher les yeux, les reins, les membres inférieurs ou engendrer des maladies cardiovasculaires. Devenir diabétique peut être évité en prévenant le prédiabète de type 2, changer d'alimentation, faire de l'exercice et prendre Peptudaya. Peptudaya aide à réduire le risque de diabète de type 2. Peptudaya, un bioactif breveté, régulateur de glycémie après les repas, a l'efficacité prouvée scientifiquement. Peptudaya, un bioactif innovant d'ingrédients pour prévenir le diabète.